Alors, Proxydance, c'est une plateforme numérique de la banque alimentaire qui permet de mettre en relation les donateurs et les associations pour que les associations aient aidé à redistribuer à leurs bénéficiaires. C'est un outil de la banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est une association. C'est une série d'associations sur tous les territoires français. C'est des associations départementales donc, qui ont des entrepôts et distribuent des denrées aux associations sous les territoires. Proxydent permet de donner un peu plus à ces associations, mais en les mettant directement en relation avec ces donateurs. Les donateurs un compte sur notre plateforme décident de mettre un don. Par exemple, il a 30 kilos de légumes à donner. Cette plateforme qui est géolocalisée et permet d'envoyer aux associations qui ne pas très loin ou de proximité un SMS. Donc, les associations reçoivent un SMS. Avec la proposition du donateur et en se connectant, peuvent réserver leur don et aller le chercher dans les créneaux proposés par les donateurs. Cette plateforme permet ensuite aussi d'avoir tous les documents avant de livraison, des documents fiscaux, de suivre les dons d'un côté. Pour les donateurs, mais aussi de l'association, de suivre un peu ce qui a été donné et ce qu'elle a pris comme don. Proxydent dans les Bouches-du-Rhône permet de récupérer plus de 50 tonnes par mois, donc de les distribuer aux associations. Et donc, augmente leur possibilité de venir à l'aide. Des personnes en difficulté. Les principes, bon, la devise de la banque alimentaire déjà, c'est d'aider l'homme à se restaurer. Et les valeurs qu'on porte avec la banque alimentaire et avec la plateforme de Proxydent sont des valeurs d'entraide, de solidarité, mais aussi d'anti-gaspillage. Avec une attention à l'écologie aussi, enfin on essaye.